Chers frères bien-aimés, bonjour et bienvenue, bonsoir et bienvenue. C'est Monseigneur Patrick Harris avec vous pour les enseignements à l'intérieur de Radio Télé-Soleil, mais surtout à l'intérieur de l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours qui vous apporte ces enseignements. Alors, nous avons déjà fait une introduction générale, vous m'avez parlé de l'ensemble des enseignements que nous avons à l'intérieur de cet oratoire. Je déjà fait toute une petite introduction pour me dire enseignement ça nous gagne l'église et les conciles qui côté le sorti qui côté le praler. Donc petit bagage ça me souhaiter que nous pas oublier. Alors nous praler avancer avec enseignement qui relait l'église et les conciles. L'église et les conciles, moi t'ai déjà expliqué nous, c'est une façon pour nous capables d'englober la totalité de la matière qui est considérée, le nous dit l'Église et les conciles. Nous devons dire les conciles de l'Église, nous devons dire aussi les textes conciliaires ou bien l'histoire des conciles, etc., etc. Mais en disant l'Église et les conciles, nous mettons en tête nous que tout ça qui a rapport avec l'Église et comment l'Église positionne par rapport à concilio. Tout bagay sa yo, li très facile pour nous-mêmes, nous garder yo, nous gen l'attitude thématique pour nous garder yo. Donc c'est ça que fait titre là, c'est l'Église et les conciles. Dans une première émission, on t'ai déjà commencé à garder avec nous plusieurs petites choses. D'abord, il y a le synode. Et puis après ça, comparaison entre synode et concile. Nous poko fini avec éléments, ça fait que nous pouvons passer dans l'autre cause. Alors, pour mettre nous en appétit, je rappelle que là nous avons parlé de synode, nous avons dit que c'est syn-odos. Odos, c'est chemin, syn, c'est avec, c'est ensemble. Donc, syn-odos, c'est prendre ensemble le même chemin, c'est aller ensemble dans la même direction. Donc, ça, c'était sens moi. Nous avons plusieurs sens, je ne vais pas retourner sur ça, sur ce sens, encore puisque nous avons fait déjà. Et puis, deuxième aspect, nous avons parlé de synode, nous avons dit que le mot synode là, il a une signification particulière selon que vous considérez dans l'Église catholique, dans l'Église protestante ou bien encore dans l'Église orthodoxe. Après ça, nous avons dit tout que le synode là, dans l'Église orthodoxe, il n'est pas seulement une méthode, li pas seulement une situation, li c'est surtout une institution. De telle sorte que là où dit synode ou bien saint synode dans l'Église orientale et surtout dans l'Église orthodoxe, eh bien on dit un bagage qui là, qui stable, qui chita, qui a fait un travail déterminé et qui connaît, qui connaît qui côté effectivement li pralé. Donc, nous comprenons, avec la situation Saint-Synode là, qu'on a dans l'Église orientale là, nous avons la possibilité pour nous envisager ça, nous relais vraiment une institution. Donc, cette institution ça, nous prenons la garder, mais non pas dans l'Église orthodoxe, mais dans l'Église catholique. Donc, ça veut dire que nous continuons avec le synode là toujours. Alors, dans l'Église catholique, nous connaissons que pape Paul VI, en septembre 1965, l'a établi motu proprio le synode des évêques. Ça veut dire. Ça veut dire pape Paul VI décide lui-même propre tête. L'a établi dans l'Église catholique un organisme qui est une structure stable qui peut aider lui-même comme pape pour lui capable de gérer plus facilement les problèmes qui sont dans l'Église, qui sont dans l'Église catholique surtout. Donc c'est ça que pape Paul VI lui-même lui a décidé. Quand il mot tout proprio, ça veut dire que c'est pas suite à une requête.
Mais les gens qui font l'histoire, les gens qui connaissent l'histoire, ils connaissent, hein? Je vais expliquer. Nous. C'est que gagner pendant le concile, là, pendant l'année 1965, qui est la dernière année du concile, là, où tu as gagné plus que 500 pères conciliaires qui ont écrit Paul VI et qui ont demandé Paul VI pour lui instituer le synode des évêques à la manière du synode qu'il y a en Orient. Attendez bien ça m'a dit. C'est que moi dit pape là fait ça motu proprio. Ça veut dire de son propre mouvement, de son propre chef, c'est-à-dire comme n'avoir pas reçu d'indication ou encore n'avoir pas eu besoin d'accéder à une requête. Alors qu'on y en a nous capable dire mais bah ça n'est pas vrai. Si 500 pères, ça veut dire 500 évêques tu as déjà écrit pape là pour demander pour lui instituer ce synode là. Et puis malgré tout nous dit que c'est de son propre chef, de son propre mouvement que lui décide d'établir lui. Donc alors qui est côté vérité à y là. On peut expliquer nous pour le comprendre. C'est que synode qui existait en église dans l'église Orient yo, synode ça yo, yo c'est des synodes délibératifs. Ça veut dire ça veut dire que synode qui gagne non l'Église orthodoxe, synode ça yo fait décision. Yo fait décision ensemble avec patriarche là. Yo fait décision ensemble avec l'Église là. Et puis qu'on y a yo dit comme ça, qu'on ça passé, mais ça nous a dû faire. Mais comment nous a dû aller? Mais dans quelle direction nous a dû aller pour tel bagage capable marcher pour l'Église là, les qui est capable vivre dans la paix du Christ. Donc c'est comme ça, ça vient présenter. Alors si c'est ça lié, nous comprenons un bagage fondamental. Ça qui est fondamental là, c'est que pape Paul VI lui-même, lui pas voulu bail impression que c'est parce que yo mande lui qui fait le faire. Hein? Et deuxièmement, lui pas voulu faire sous un modèle préétabli qui fait que qu'on y en là, l'elle t'a fait sous modèle préétabli, l'elle t'a sorti un petit casse dans cause aïe et puis on t'a pas dit ah et bien, ça modèle là est donc vous péchez par rapport à modèle là. Donc, dans ce sens, ça, pape là, t'es plutôt fait, t'es prend une décision motu proprio, et à partir de ce moment, on y en là, reste ça qui parle venir, il est possible pour nous gérer plus facilement. Ok. Donc, on y en, moi, je finis par parler de synode des évêques qui est établi en 1965. On y en là, pour nous t'aguer un peu, bon l'idée peut-être faut que c'est comme d'a dit ça. Faut nous t'entrer la donne parce que cette tradition pas nous lier et question de Saint-Synode là, c'est un bagage nous allons rencontrer pendant parcours nous comme théologiens comme fidèles. Donc si c'est ça lié, nous-mêmes nous pas concentrer temps avec énergie pour nous parler de ça. Donc ça veut dire que nous allons perdre un temps précieux que nous sommes capables d'employer pour nous faire l'autre bagaille. Donc c'est peut-être ça, moi tapito, on t'y casse parler du synode des évêques là, même si, comme c'est m'a dit, c'est pas sous synode que nous parlons. C'est pas tout ça nous parle de Ouléa qui parle chita sous synode. Mais pas oublier, m'a dit nous que synode avec concile, deux mots ça yo, c'est deux goudins avec 50 cob. Je vais sortir que l'autre dit yon, ou déjà qu'on est l'autre là-bas trop loin. Alors maintenant, venons regarder le synode des évêques. Le synode des évêques, c'est une institution ecclésiale qui est établie en 1965 et qui pourrait le faire premier synode li en 1967. Périodicité pour permettre que yon synode fait, c'est 2 à 3 ans. Au-delà, vous sortez dans le droit, dans la réalité que le droit prescrit pour faire. Donc, ça veut dire que yon moun qui dans l'Église, kap suivre, kap cherche comprendre, li pral rendre ni compte très facilement. Que là où parler de synode,
Vous parlez d'un mouvement participatif. Vous parlez d'un mouvement qui permet d'entrer dans la considération d'ordre théologique, mais aussi dans la considération d'ordre pratique. C'est comme ça que la situation lui-même est présentée dans le même. Pour nous capables d'aller plus loin, venons garder en dans papier qui ça nous sommes capables de mettre pour nous chercher à aller plus loin. Donc, tout de suite, nous allons entrer là-dedans. Synode d'évêques, il a établi, il a commencé le premier synode en 1967. Il a pu continuer la route là sans interruption. Il n'a jamais passé 3 ans sans pagain en synode. Ça, c'est un constat. C'est un bail qui est extrêmement important. Et synode là lui-même, il y a une façon pour ça faire. Premièrement, il y a 3 qualités synode. Il y a un synode ordinaire, il y a un synode extraordinaire, il y a un synode spécial. Alors, Jean va la présenter là. Pierre-Louis, comment ça va le passer là? Dans 3 qualités synode ça. Ça c'est une. Synode ordinaire, synode extraordinaire et puis synode spécial. Mais deuxième bagaille, est-ce que synode Dieu est obligé de faire ton seul côté? Est-ce que par exemple, parce que jusqu'à présent, synode là, il est fait à Rome, au Vatican. Mais est-ce que un synode doit nécessairement faire ton seul grand côté? Non, tu n'as rien pour nous faire ça. Troisième bagaille, nous considérons synode là. Est-ce que nous sommes capables de dire, eh bien, c'est un mini-concile? Ou bien son bail qui a mis chemin entre une célébration et un concile. Bah, on est non, mais faut nous regarder question ça avec en pile. Là dit maîtrise, mais au-delà de maîtrise, c'est qualité relation nous capable mettre en place nous dit tête nous vraiment nous sortir tel côté, nous parler tel côté, n'a faire route ensemble. Avec l'Église là, Jean lui-même l'a demandé. Donc, c'est un peu ça. Nous devons dire avec nous dans la première partie de l'émission, de façon pour nous capables de continuer à aller de l'avant. Nous allons prendre une petite pause et puis après ça, nous allons tourner pour nous continuer. Alors, sommes avec Frémio après cette pause là nous tourner. Pas oublier ça nous a commencé parler de l'IA, nous avons parlé de synode des évêques. M'a pral comme si m'ta do élaborer comme si m'ta do c'est seulement ça nous pral parler non. D'ailleurs moi fait déjà émission dans radio Télé Soleil sur synode des évêques et me fait émission sur document qui sorti dans synode des évêques. M'a parlé très souvent de exhortation post synodale. Donc, ça veut dire que je vais pas reprendre tout le travail qui fait déjà. Non, ça me veut dire, c'est que l'on a parlé de comparaison entre synode avec concile. Donc, je veux déjà poser tout élément de mon côté. Et puis, à partir de ce moment, l'on arrive pour nous faire comparaison, je n'ai pas même besoin de faire pour nous. Je n'ai pas faire pour nous. Parce que tout le monde est déjà là. Toute pièce puzzle est déjà là. Donc, je dis nous que gagner synode des évêques. Synode des évêques là, nous capables dit son synode permanent. Alors moi dit que 3 qualités synode, synode ordinaire, synode extraordinaire, synode spécial. Mais on va me bailler vraiment définition ou bien pour chaque 4 synodes ça yo, qui te me dit exactement qui ça synode là lui-même lié, synode des évêques là. Synode des évêques là, c'est une structure permanente créée par le pape en vue de solliciter la contribution des évêques du monde entier sur un certain nombre de sujets. Solliciter la collaboration ou encore les idées ou bien le conseil des évêques du monde entier sur un certain nombre de sujets. Autrement dit, c'est
un organe permanent de consultation. Est-ce que ça t'a voulu dire que c'est vraiment différent de synode qui gagne en Orient, qui lui-même pas seulement un organe de consultation? Nous dit oui et non. M'a dit pour qui raison? Ce synode qui gagne en Orient, il fonctionnait tant qu'il y a un conseil qui est permanent et qui a géré à faire l'église là de A à Z et qui a accompagné patriarche là. Patriarche là capable toujours de partager, mais patriarche là pas pour aller à l'encontre de ce que le Saint-Synode dit ou déclare. Ça, c'est un. Tandis que là, nous prenons synode des évêques dans l'Église catholique, eh bien, il n'y a pas une institution de gestion de l'Église. Il faut le racler dans la tête, non? Il n'y a pas une institution de gestion de l'Église, c'est une institution qui permet que, à côté de la curie romaine qui a fait travail technique, ou gagne une instance qui est capable de caractère théologique et pastoral et qui là pour accompagner pape là les besoins gagner plus lumière pour lui connaître qui ça pour le faire. Donc dans ce sens ça, synode des évêques là est différent de ce synode qui en Orient. L'autre bagage que tu es capable d'ajouter encore, là on prend synode des évêques, eh bien, bien que c'est une structure permanente liée, structure ça, est branchée directement sur la personne du pape. De sorte que c'est le pape là qui a convoqué, c'est le pape là qui a dissoudre, c'est le pape là qui a bali thème, c'est le pape là qui a bali orientation. C'est le peuple qui a présidé ou bien présidé par lui-même, ou peut-être pas, ou bien par moun que lui a délégué pour faire présidence là. Donc, je pense que ça a l'idée clair pour nous. Toute synode, il y a un rapporteur général, ou bien il y a un rapporteur spécial. Dynamique pour qui fait un synode fonctionner aujourd'hui, hein? C'est que ou bien ça a l'idée un instrumentum laboris, qui c'est une institution de travail, pardon, dit institution, ce qui c'est un instrument de travail. Normalement, nous dit instrument, c'est pas mot ça nous a dû employer, même si latin c'est ça l'employé, mais c'est un document de référence pour commencer réflexion et ça lié. Un document de référence pour commencer réflexion. Depuis où vient faire ça qu'on y a là, donc qu'on y a là, les pères et pas conciliaires non, les pères synodaux qu'on y a eu qu'à commencer travail pour y décider exactement mais ça y a fait mais qui côté y aura aller. Tout à l'heure on m'a dit que il y a trois qualités synodes. Ah ouais, bon c'est nous pas oublié et moi-même non plus moi pas oublié. Ou gagne un synode ordinaire, ou gagne un synode extraordinaire. Et puis, il y a un synode spécial. Je vais prendre un exemple pour tout et puis nous comprendre. Synode ordinaire, là, lui-même, c'est synode qui est capable de faire 2 ou 3 ans. Le peuple a convoqué lui. Et puis, ordinairement, ce synode est à mi-chemin entre ce que nous vivons comme Église et ce que nous devons vivre devant Dieu dans une certaine délicatesse. Donc, synode là, un programme qui est plus ou moins stable. Et si vous allez sur le site synode des évêques là, vous allez saisir pour voir comment il y a une série de profils, une série de bails qui est déjà défini, de sorte que pour pas vraiment dans l'incertitude. Ça est très important pour nous retenir. Deuxième bagaille pour nous retenir, on a parlé de synode des évêques. Il faut nous toujours mettre en tête nous que en Haïti surtout, donc à comprendre bien, il y a des gens qui connaissent, il y a des gens qui ne connaissent pas. Il y a des gens qui ont l'esprit ouvert, il y a des gens qui n'ont pas l'esprit ouvert. Donc ça veut dire que lorsqu'on parle de synode, il y a des gens, quel que soit j'ai expliqué aux bagailles là, il y a des difficultés pour appréhender, tandis que il y a des gens qui sont capables de capter rapidement. Il ne faut pas oublier ça. Maintenant,
Venez nous essayer si nous entrer ou bien rester dans la définition. Nous disons que pour synode ordinaire là, c'est un synode côté pape la licon voté son thème régulier qui était déjà choisi d'avance et puis qu'on y en là l'imander pour l'église intervenue pour capable assurer la charité et bien entendu le point de vision et de compréhension du fidèle sur quelque chose à un moment déterminé. Donc, nous comprenons ça bien. Nous parlons de synode des évêques. Nous, à la fois, nous avons une structure qui dit nous que l'Église a mis ça et elle a urgé. Urgé, elle a dit qu'elle est capable de faire. Comment on a dit ça? En anglais, c'est demanding. Ça veut dire qu'il a obligé. Il a obligé fait tel bagaille, fait tel genre, fait telle manière. Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, nous prenons le synode des évêques et puis nous prenons en correspondance comme mon synode ordinaire. Nous disons que le thème est établi déjà. Le peuple a convoqué lui et le peuple a tout gain pour le dissoudre lui. Tout en peuple n'a pas fait deux actes à eux, pas qu'à gagner directement ça yo relé synode des évêques. Maintenant, une fois que synode des évêques la fin faite, ça veut dire fin convoqué, eh bien, synode ça lui-même, nous qu'on connaît s'il ordinaire, s'il extraordinaire ou bien s'il spécial. Alors, venons par une définition rapidement. Le synode qui est le synode ordinaire, ça veut dire le synode qui n'est pas extraordinaire. Un synode ordinaire, c'est un synode qui est fait pour marquer le temps, pour dire, ah, nous avions été ceux-là et nous sommes venus directement pour nous aller de l'avant. Donc, ça veut dire synode des évêques là lui-même. Une caractéristique fondamentale les gagnent, c'est que tout le monde qui a parlé, tout le monde qui a dit ça y ouvre, tout le monde qui a dit même dit ça y ouvre là, et pas ça y ouvre, dans ce que mon a dit, il décide bon, l'a dit n'importe quoi qui sans sens, non, et pas ça me dit, c'était que parole là n'est pas brimée, mon n'est capable d'exprimer, mon n'est capable de dire ça le penser. Et puis à partir de ce moment, bagaille est capable de toujours continuer à rouler, capable de continuer à marcher. Bon, après synode ordinaire, là, côté moi, dis-nous que le pape là lui-même, lui nous a invité un monde pour parer mauvais coup. Quand nous venons aller pour synode qui a un rapport avec synode extraordinaire. Qui est ce synode extraordinaire là? Synode extraordinaire là, c'est tant que le ordre de synode qui est établi ou pas le déranger. Et puis pendant ce temps, ça a gagné pour régler à l'urgent. Alors qu'on y en là, au lieu de nous déplacer un synode, nous faisons ceci, nous faisons cela. Nous seulement crions, nous seulement mettons dans la situation côté nous dit bon, nous faisons comme ça, nous mettons à côté, nous mettons dans le mi-temps. Ou bien encore, n'a mettel nan place yon synode qui te gen déjà pour le convoquer, mais nous pas convoquer, n'a convoquer ça plutôt. Donc alors, li extraordinaire parce que li kon gagne mobile, ça nous capable rele yon problème. Si c'est pas un problème, c'est une célébration, si c'est pas une célébration, c'est un événement. M'a ba pi bel exemple qui gagne pour synode extraordinaire. Synode extraordinaire qui bien connu, c'est synode qui fait après Vatican II, 25 ans après Vatican II, nous gagnons vraiment un effort, une tentative qui vous fait pour aller de l'avant. Donc, pour nous aller dans la direction ça. C'est ça le synode extraordinaire là. Donc, Concile Vatican II fait, le Concile l'a fait, 25 ans après, il y a une bonne doute, il y a une bonne inquiétude.
pour nous apaiser. Et donc, nous convoquons un synode spécial sur ça. À côté de synode ça, ou gagne un synode, yo dit spécial. Synode spécial là lui-même nous capable gagne plus bon exemple là dans Jean-Paul II qui pour être capable couvrir jubilé l'an 2000 là, il te mettait 5 synodes spéciales une pour chaque continent et puis à partir de ce moment, il fait un synode sur Océanie. Ils font synode sur Asie, ils font un synode sur Europe, ils font un synode sur Amérique, ils font un synode sur Afrique. Donc ce qui fait que vous venez 5 synodes spéciaux. Ils ne pas fait tout dans la même année, non? Mais c'est comme ça la situation lui-même les présenter. Alors, par contre, si nous vraiment ouais, côté maintenant nous, là nous vraiment uniquement dans les définitions. Nous ne pouvons pas entrer dans aucune cause, nous pouvons faire comme si nous avons passé l'évangile là. Nous connaissons effectivement nos simas et paroles là. Nous faisons travail d'évangélisation, mais pas oublier que ce n'est pas uniquement comme ça et que bon Dieu lui-même, il a une seule façon pour lui passer à travers un homme pour lui guérir et puis pour lui convertir. Donc, dans ce sens, ça, nous en prendre dernière subdivision, à savoir synode spécial. Qu'est-ce que c'est synode spécial là? Très simple. Synode spécial là, c'est un synode qui fait effectivement sur une notion déterminée et qui n'est pas propre à un pays, dans le cas conduite, mais qui est propre de préférence à moun yo et puis à circonstance yo. Bon, essayer de dire de l'autre façon. Si notre spécial là, l'église doit garder. Un bon exemple ça. Supposons que l'église en Haïti représente un problème pour Rome. Et puis qu'on y en là, yo t'a vle problème ça ali cessé pour nous arriver dans communion. Dans communion entre réalité nous vivons là et ça nous a remis qui vient donner réalité par nous. Donc ça veut dire qu'on n'est pas possible sans rencontre. Il n'est pas possible sans réalité qu'on va le mettre devant. Il n'est pas possible sans, disons le mot, le fait que qu'on y a là ou à l'égarder en dedans réalité. Ou est-ce qui est possible ou est-ce qui n'est pas possible. Et puis qu'on y a ou dit pour aller de l'avant. Donc ça veut dire synode spécial là, il fait pour besoins spéciaux. Donc moi en cas Haïti, nous gagne droit gagne un problème qui c'est un problème dictature. Nous gagne droit gagne un problème qui sont un problème liturgique. Nous gagne droit gagne un problème qui sont un problème théologique. À partir de ce moment nous on va faire requête pour un synode spécial pour nous et puis si requête là il aboutit qu'on y a là. Nous prenons le travail de préférence à l'équipe qui est là pour qui permettre nous aller joindre avec solution. Donc c'est Tico Zesayo qui devait partager ensemble avec nous sur synode des évêques. Je n'ai pas fini direct non. Moi décide plutôt de camper là de manière à ce que nous assurions que nous assimiler Tikal qui sont là sur les synodes dans les régions protestantes ou catholiques, ça ne fait aucune différence. Parce que ça nous qu'à comprendre, c'est que les synodes en évêque, dépendamment de qui thème le pape a choisi, spécial ou bien extraordinaire ou bien ordinaire, toujours un observateur, c'est catholique, qui n'est pas catholique. Donc alors, mais si ça me devait partager ensemble avec nous. Donc je te dis, nous allons faire un petit camp là, nous allons continuer plus, parce que nous voulons, en tout cas, nous sommes capables de faire franchir étape, comprendre la réalité synodale là, avant que nous passions directement dans le concile là. Je remercie Bolton, je remercie Pierre-Louis qui te permet que l'émission s'arrive de nous.
Bien entendu, il n'est pas fait dans la condition idéale à cause de toute montée et descente, toute aléa qui gagne. Mais c'est certain que nous avons préparé nous pour une émission, ou bien nous avons reprendre un certain nombre de débats qui n'est pas clair pour nous, ou bien tout simplement pour propre petit problème nous avons gagné. Et puis, côté, c'est ça qui nous a répondu, on a fait comme ça. Donc, merci en pile, merci pour la générosité, nous, merci pour la disponibilité. Nous. Donc, on y en là, nous parlons de tête nous que, eh ben, tout simplement, à la prochaine.